Bien-aimés, tout au long de cette retraite, nous aspirons à remettre le Saint-Esprit au centre de nos vies. Le Saint-Esprit au centre. Nous voulons encore plus de lui. Nous avons besoin qu'il inspire toutes choses dans nos vies. L'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre spirituelle. Et nous ne voulons pas avancer sans lui. Nous avons besoin qu'il soit au centre de nos vies. Et nous ne recherchons pas seulement sa main. Nous recherchons d'abord son cœur. Accorde-nous la grâce, Saint-Esprit des dieux. Accorde-nous la grâce de pouvoir te chercher, toi et toi seul. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus le Christ. Ce que nous voulons, c'est Dieu le Père. Ce que nous voulons, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit des dieux, nous te voulons. Saint-Esprit des dieux, nous te désirons. Saint-Esprit des dieux, nous avons besoin de toi. Viens nous assister, viens nous conduire, viens nous aider, Saint-Esprit. Oh, est-ce qu'un quelqu'un peut dire ce que nous voulons, c'est toi? Oh oui, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, ce que nous voulons, nous voulons le Saint-Esprit. Oh oui, ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Esprit de Dieu souverain, nous voulons le Saint-Esprit. Nous désirons le Saint-Esprit. Nous aspirons à pouvoir avoir une communion. Une communion comme jamais avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, oh, cette nuit, nous désirons et nous disons ce que nous voulons. Oh oui, nous voulons, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de feu, oh, c'est que nous voulons. Nous te désirons, nous avons soif de toi, et nous voulons que tu viennes nous remplir. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, assujettir toutes choses par le pouvoir que tu as d'être, assujettir toutes les choses. Viens pour contrôler nos vies, viens pour contrôler, viens bâtir, viens nous réajuster, viens nous redimensionner. Élargir l'espace de nos tentes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, nous voulons. C'est que nous voulons, c'est toi. Oh oui, c'est que nous voulons. C'est que nous voulons. Oh oui, oh oui, c'est que nous voulons. Saint-Esprit, Esprit de Dieu souverain, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de connaissance, Esprit de vérité, Esprit de vie, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de crainte de l'éternel, Esprit d'humilité, Esprit de joie, Esprit d'amour. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer.
Sans toi, nous ne pouvons pas bâtir ici à Massy par les eaux. Nous avons besoin de toi parce que nous reconnaissons, c'est toi le commandant en chef. C'est toi, tu es Seigneur et Dieu. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui bâtis l'église. C'est toi qui commande l'église. C'est toi, Saint-Esprit, qui dirige l'église. Oh, c'est pour cela que nous disons, sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne pouvons pas bâtir. Accorde-nous la grâce de pouvoir honorer le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de pouvoir t'honorer tous les jours de nos vies, de considérer qui tu es. Tu es la personne la plus importante dans nos vies et dans le ministère. Seigneur, ce ministère ne peut pas se passer de toi. Cette église qui se sait massive par les eaux ne peut pas se passer de toi. Viens revenir, reviens au centre, Saint-Esprit des dieux, reviens au centre. Nous voulons te positionner au centre de nos actions, au centre de tout ce que nous faisons, au centre de ce conseil, conseil de ministre, au centre de ton église, au centre. Oh oui, nous voulons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce. C'est toi qui nous fais avancer avec une grâce particulière. C'est toi qui produis l'étonnement. Tu produis l'étonnement. Oh, tu produis l'étonnement. Le monde va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce peuple qui a bouleversé Massy par les eaux, ce peuple qui a bouleversé au Paris sacré, ce peuple qui a bouleversé. Oh, nous avons reconnu l'action du Saint-Esprit. Nous avons reconnu la main tendue, la main du Saint-Esprit. Nous avons reconnu les doigts du Seigneur qui agit avec efficacité dans nos vies, qui nous fait avancer et qui nous fait pousser pour que nous puissions prendre notre avance en décès. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous désirons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons bâtir, sans la sagesse, tu ne peux rien bâtir, parce que la parole de Dieu déclare, par la sagesse, la maison s'élève, par la sagesse, la maison s'affermit par l'intelligence, et par la connaissance, les chambres de la maison, oh, se remplissent avec tous les biens précieux et agréables. C'est toi qui es à l'œuvre, c'est toi qui fais toutes choses, accorde-nous la grâce de prendre conscience de cela, accorde-nous la grâce de prendre conscience, nous ne voulons pas avancer sans toi, oh, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, Saint-Esprit de Dieu, viens Seigneur, viens nous embraser, viens endommager l'ignorance, viens enlever ce qui a enlevé, viens endommager ce qui a endommagé, viens détruire ce qui a détruit, viens enlever, viens faire une opération chirurgicale, enlève de nos cœurs la folie qui est attachée au cœur de l'enfant, enlève de nos cœurs, oh ce que tu n'aimes pas, enlève de nos cœurs ce qui t'attriste, parce que nous ne voulons pas t'attrister, oh nous voulons. Massy par les eaux, prends la place du roi, prends la place du maître, prends la place de celui qui domine, prends la place de celui qui bâtit, prends la place, Seigneur de nos vies, viens saisir une personne par le col, viens nous saisir par l'épaule, oh saisis-nous, Seigneur. Non, nous ne voulons plus, revenir à ce que nous avons vomi, non, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui produis le vouloir et le faire, c'est ton bon plaisir. Seigneur, nous sommes dépendants de toi.
la notre indépendance au Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce, Seigneur, et notre conscience. Seigneur, c'est toi la clé, la clé de nos vies. Élève la voix pour dire, et Bayan des roches, Seigneur, viens faire le surgir, viens faire le surgir. Ha, Bayan des roches, dans nos cœurs, afin de pouvoir enlever la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Enlève la folie. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Accorde-nous la grâce de prendre conscience. Seigneur, nous ne voulons pas t'attrister. Non, nous ne voulons pas t'attrister. Parce que si tu es attristé, tu ne marches plus avec nous. Si tu es attristé, tu ne marches plus avec nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas attrister le Saint-Esprit. De Paris sacré. Il y a tellement de vies qui te cherchent. Il y a tellement de vies qui soupirent après toi. Et nous sommes des bonnes personnes. Accorde-nous la grâce d'être connectés aux personnes qui soupirent après nous. Parce que notre Dieu est le Dieu de connexion. Accorde-nous la grâce d'être des ouvriers qualifiés, à être envoyés dans la moisson. Parce que tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Alors, envoie-nous. 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 Envoie-nous, Seigneur, je t'en supplie, envoie-nous. Il y a très peu d'ouvriers. Envoie-nous. Nous sommes un candidat. Envoie-nous. Ici, en massif par les eaux. Envoie-nous. Oh Seigneur, nous nous humilions. Envoie-nous. Envoie-nous. Nous te supplions. Envoie-nous. Seigneur, nous nous humilions. Envoie-nous. La moisson. Et grande, envoie-nous, il y a très peu d'ouvriers, envoie-nous.
Seigneur, je t'en supplie, envoie-nous. Seigneur, nous sommes candidats, envoie-nous. Seigneur, nous sommes candidats, envoie-nous. Ici, en Massy, par les eaux, envoie-nous. Nous voulons aller toucher les âmes, envoie-nous. Nous voulons gagner les âmes, envoie-nous. Seigneur, nous sommes candidats, envoie-nous. Oh oui, nous sommes d'accord, envoie-nous. Seigneur, je t'en supplie, envoie-nous. Amassez pas les eaux, envoie-nous. Oh Seigneur, nous sommes candidats, envoie-nous. Ici, Amassez, envoie-nous. Pour gagner les âmes, envoie-nous. Seigneur, je t'en supplie, envoie-nous. Oh oui, nous sommes candidats, envoie-nous. Pour aller chercher les rétrogrades, pour aller récupérer les rétrogrades. Seigneur, je t'en supplie, oh oui, nous sommes candidats, envoie-nous. Oh oui, te supplions, Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Élève la voix, dis à ton Dieu. Dis-lui, envoie-moi. Qui enverrai-je? Ésaïe, chapitre 6. Qui enverrai-je? Dieu recherche des hommes et des femmes à envoyer dans sa moisson. Les ouvriers qualifiés. Les ouvriers pour aller gagner les âmes. Les ouvriers pour aller rechercher les rétrogrades. Les personnes qui étaient dans la bergerie, mais qui sont sorties de la bergerie. Nous devons aller les rechercher et les ramener. Seigneur, envoie-nous, Seigneur, je t'en supplie dans ta moisson. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir nous élargir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher comme toi tu as marché. Accorde-nous la grâce d'observer, de retenir et d'imiter les pères, afin de pouvoir agir avec efficacité dans ta moisson. Envoie-nous, envoie-nous, envoie-nous. Seigneur, je t'en supplie, envoie-nous. Seigneur, envoie-nous. C'est les cris de nos cœurs. Nous crions à toi. Cela veut dire simplement, Seigneur, je suis d'accord. Je suis d'accord pour être envoyé. Alors c'est toi qui viens nous élargir. C'est toi qui viens nous former. Nous reconnaissons notre incapacité. Nous reconnaissons notre vulnérabilité. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous sommes venus au pied du maître, à tes pieds, afin d'être élargis. Parce que tu as dit que tu t'élargiras cette année. Mon frère, ma soeur, tu t'élargis cette année. Élargis l'espace de ta tente. Amen. Cette année, c'est l'élargissement. Amen. Cette année, tu te répands à gauche. Amen. Cette année, tu te répands à droite. Amen. Et tu seras soulevé dans un tourbillon des dieux. Et tu seras transporté. Tu prendras ton envol comme un aigle. Parce que tu as décidé d'être envoyé. Parce que tu as décidé
de prendre soin des affaires des dieux. Alors le Seigneur prendra soin de toi. Il prendra soin de toi parce que tu as dit envoie-moi. Alors c'est lui-même qui vient te former. C'est lui-même qui vient t'affermir. C'est lui-même qui vient te perfectionner. C'est lui-même qui vient te fortifier. Il a besoin simplement de la disposition des cœurs. Ta disposition des cœurs. Aie cette disposition des cœurs. Ne te dis pas comment je le ferai. Marie a dit comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Ça, c'est une question légitime que tu peux poser. Mais ne mets pas des doutes. Quand Dieu te donne un commandement, il te donne la force, la capacité pour accomplir ce commandement. Tout ce que tu as à dire, comment cela se fera-t-il? Ça veut dire que Seigneur, donne-moi les clés. Quelles sont les clés à mettre en œuvre pour manifester ce que tu as annoncé dans ta parole? Alors Dieu, il va te dire par son esprit, viens à la aparté. Comme Jésus le faisait, les disciples lui posaient la question, comment? Et il leur expliquait les Écritures. Le Saint-Esprit aussi veut nous expliquer, veut nous donner des stratégies, vient nous donner des clés pour pouvoir prendre possession de Massy, de Palaiseau et les villes environnantes. C'est pour cela qu'il a inspiré cette rencontre, ce temps de retraite. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer notre adorateur? Parce que tu as décidé d'être envoyé. Tu as décidé d'être envoyé. Alors, c'est lui-même qui vient te former. Il ne viendra pas te former si tu ne décides pas. Il faut d'abord accepter la mission. C'est par la foi que nous acceptons la mission. Si tu acceptes la mission, je suis d'accord d'aller. Dans le monde, on veut d'abord voir avant de croire. Mais avec le Seigneur, il faut d'abord croire avant de voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous, nous avons cru. Nous n'avons pas encore vu. Mais nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Parce que nous sommes des fils et nous obéissons. Et nous savons qu'au temps convenable, nous allons hériter. Et nous héritons parce que ce sont les fils qui héritent. Ce sont les fils qui héritent. Est-ce que tu es un fils en Seigneur? Si tu es un fils, tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Parce que tu hérites. Les fils sont conduits par le Saint-Esprit. Alors tu vas hériter. Parce que c'est une loi spirituelle. Ce sont les fils qui héritent. Alors marche comme un fils. Alors tu auras la garantie de pouvoir hériter. Prendre possession de ton héritage. Prendre possession. Oh oui, oh César. Je prends possession. Oh oui, ce soir. Je prends possession. Possession de mon héritage. Je prends possession. Possession de ma vie. Je prends possession. Possession de ma vie. Je prends possession. Possession de ma maison. Possession des villes environnantes, je prends possession. Dans les domaines où tu m'as positionné, je prends possession. Parce que j'ai foulé les pieds. Est-ce que tu peux marcher? Marche pour fouler. Je prends possession. Je sais l'ordre. Là où la planète est un pied foulé, à possession. Dieu te l'a déjà donné. Marche sur ma scie. Est-ce que tu peux marcher sur ma scie? Est-ce que tu veux marcher sur le rocher? Est-ce que tu veux marcher sur les glisses? Est-ce que tu veux marcher? Marcher sur Palaiseau, marcher sur Pétigny, marcher ailleurs, je prends. Je prends possession. Oh oui, ce soir je prends. Je prends possession. Oh oui, ce soir je prends. Je prends possession. Oh oui, je prends ce qui est en moi. Je prends possession. Je prends ce qui est en moi.
héritage. Je saisis mon héritage. Oh oui, je sans tache, une église ni ride, ni rien de semblable, pure, sainte.
sainte, irrépréhensible. Alors nous sommes intouchables, nous sommes insaisissables, nous sommes, et nous opérons à la dimension des épouses, à la dimension des aigles, à la dimension des intouchables. Alors nous te bénissons. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame le Seigneur. En grâce, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les territoires que tu m'as donnés. Merci parce que j'ai pris possession. Tu es là où la plante de mon pied foulera. Tu m'as déjà donné le territoire. Alors je saisis les territoires, les domaines, territoires physiques, les domaines, là où tu nous as positionnés, nous les saisissons dans les noms des gens. Alors nous te bénissons. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ces paroles prophétiques. Merci Seigneur pour ce que tu as donné, accordé encore dans nos vies aujourd'hui. Paroles que tu as libérées, nous sommes reconnaissants. Toi qui as conduit toutes choses, cette nuit, tu t'es déployé comme jamais. Merci, 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 merci. Merci, merci, toi qui as donné, toi qui as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que les faibles disent. Merci, merci pour ce que tu as fait cette nuit. Pour les paroles que tu as libérées dans nos vies. Merci. Pour l'enseignement, pour la formation que tu as donnée. Pour la disposition du cœur de mon frère, de ma sœur, merci. Pour la dimension de l'épouse où nous allons opérer. Merci Seigneur pour l'élargissement. Merci Seigneur pour la dimension de l'épouse. Merci pour la dimension des aigles. Merci Seigneur pour les piliers que nous sommes. Merci pour le territoire que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ce moment magnifique passé ensemble.
Élève la voix pour dire merci à Dieu. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, de pouvoir continuer ton œuvre à travers nos vies. Illumine les yeux de nos cœurs afin de continuer à te voir. Afin de continuer, Seigneur, à garder cette vision, à voir ce fardeau. À garder ce fardeau, le dépôt que nous avons reçu. Seigneur, nous voulons le garder. Seigneur, accorde-nous la grâce là où nous allons aller. Accorde-nous la grâce dans les cellules, dans les départements, dans les groupes, dans les ministères, de pouvoir répandre cette parole que nous avons reçue, de pouvoir faire ce que nous avons appris, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir les répandre autour de nous, parce qu'il faut qu'une armée se lève, une armée qui te sert, 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 une armée. Nous voulons une armée amassée par les eaux, une armée qui te serve, une armée qui te désire, une armée qui se déploie, une armée nous désirons, une armée qui te serve, une armée qui est au garde-vous, une armée qui est loyale, une armée qui est fidèle, une armée qui est engagée, une armée au garde-à-vous, une armée au garde-à-vous, une armée qui possède le pays, une armée qui te sert. Faisons cette prière de la possession du pays. Répétez après moi, Père, je te bénis. Car de même que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, de même tu es mon Dieu aujourd'hui. De même tu leur as donné la possession des terres sur lesquelles ils ont vécu. Ainsi tu me donnes la possession de ce pays. Au nom de Jésus. Tu me donnes Massy et les villes environnantes. Au nom de Jésus, je prends possession et je prends ma position en tant qu'enfant de Dieu. J'affirme ma domination sur cette terre au nom de Jésus. Je confesse que tout ce qui est dans ce pays est soumis à l'autorité de Jésus-Christ qui habite en moi. Car mon Dieu a promis de me donner la supériorité sur les nations. Je crois et je confesse. Et comme la plante de mon pied a foulé ce pays, mon Dieu me l'a déjà donné en possession. Je déclare que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Père, je déclare, je répète encore que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Père, ta parole me dit que je peux demander les nations et que tu me les donneras en héritage. Je confesse que ce pays est maintenant mon héritage. Au nom de Jésus.
Je crois et je confesse que toutes les meilleures choses qui se trouvent dans ce pays font partie de mon partage en Jésus-Christ. Car la parole de Dieu déclare que si je suis docile et que j'ai de la bonne volonté, je mangerai les meilleurs produits du pays. Étant donné que je vis dans ce pays, je refuse de voir le mal s'installer sur lui. Je refuse de voir les mal s'installer sur lui. Je refuse de voir l'ennemi établir son règne. Je dis non à toute action du monde des ténèbres. Je dis non à toute action du monde des ténèbres. Je dis non à toute action du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je m'élève contre les principautés. Je m'élève contre les dominations. Je m'élève contre les dominations au-dessus de ce pays. Et j'ai détruit tous les hauts lieux de l'ennemi au nom de Jésus. J'ai renversé toutes les forteresses qui se trouvent dans ce pays. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise et j'écrase toute puissance qui est contre mon avancement. Je brise et j'écrase toute puissance qui est contre ma prospérité dans ce pays. Et j'ai dit non à toute force de résistance. Tout ce qui résiste contre ma percée. Alors je dis non à toute cette force de résistance. Au nom de Jésus. Je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus. Et j'impose le royaume de Dieu à cette nation. Je déclare que le règne de Dieu vient et s'établit dans tous les secteurs ou tout le système de ce pays au nom de Jésus. Je déclare que le règne de Dieu vient et s'établit dans tout le système de ce pays. Je crois dans mon cœur que de la même manière que l'étoile de mon Seigneur Jésus-Christ a attiré les rois mages par le voile, je confesse de ma bouche que mon Dieu fait briller mon étoile dans cette nation maintenant. Au nom de Jésus, je suis une étoile brillante. Je brille dans le monde. Je crois et je confesse que mon Dieu agrée mes voies en lui. Je déclare qu'il dispose à ma faveur même mes ennemis. En plus de mes frères et sœurs, ainsi que mes amis qui sont déjà à ma faveur. Je confesse que les autorités de ce pays me sont favorables. Je confesse que cette année, nous allons avoir notre salle. Dans le nom de Jésus. Le système financier de ce pays marche à ma faveur. Et tous les milliers des affaires me sont favorables. Je déclare que les domaines des études m'est favorable. Et tout ce que j'entreprends dans ce pays me réussit au nom de Jésus. Je crois et je confesse que le Seigneur me fait trouver grâce auprès de toute personne en position de prendre des décisions me concernant, car mon Dieu a ordonné à la bénédiction de me suivre partout où je vais au nom de Jésus. Je confesse que je ne marche pas selon la vue, mais je marche selon la foi. Et je ne base pas ma vie sur les échos du monde.
Et je ne base pas ma vie sur les échecs des autres. Je réussis là où les autres ont échoué. Je passe là où les autres sont bloqués. Car Dieu me fraye toujours un chemin. Je possède les richesses du sol. Je possède les richesses du sous-sol. Là où le Seigneur m'a positionné. Je possède des terres et des maisons. Je possède tous ces dons. Je bénis au nom de Jésus. Je bénis l'air. Et l'atmosphère du pays. Je les déclare à ma faveur. Au nom de Jésus. Père, je te bénis. Car je sais que tu es le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Quel que soit l'endroit où je me trouve. Tu avais béni Abraham à Canaan. Tu avais béni Isaac à Guéran. Tu avais béni Joseph en Égypte. Et tu avais béni Israël en terre promise. Et tu as aussi béni Daniel à Babylone. Alors Père, je te bénis car je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je confesse que tu me bénis dans ce pays au nom de Jésus. Je confesse que je prospère dans ce pays au nom de Jésus. J'ordonne maintenant aux portes du pays. Élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prends la place du roi. Amassie, prends la place du roi. Prends la place. Nous te laissons la première place. Prends la place. Viens dominer nos vies ici. Prends la place. Prends la place du maître. Prends la place du roi. Toi seul domine nos vies. Prends la place, soit celui qui domine. Prends la place du roi, soit celui qui domine. Prends la place, nous te laissons la première place. Prends la place, nous te laissons la première place. Prends la place, viens occuper tout l'espace. Prends la place du roi. Nous te laissons la première place. Sois la priorité de nos vies. Oh oui, prends la place. Et si amassis pas les eaux, toi seul conduis toutes choses. Que les âmes soient gagnées. Que les vies soient restaurées. Que les cœurs brisés soient rélevés. Prends la place. Oh, prie, prends la place. Merci Seigneur. Merci Seigneur, prends la place du roi. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons simplement t'acclamer. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli ici.
abasi pendant cette retraite. Ce temps où nous sommes venus au pied du maître, ce temps où nous sommes venus apprendre, nous te bénissons, nous te célébrons. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te bénir? Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, merci pour les grâces que tu as déversées dans nos vies. Oh, merci Seigneur pour ta vie. Merci pour les dons spirituels. Seigneur, merci de répandre sur nous les dons spirituels. Merci de répandre sur mon frère, sur ma sœur, les dons spirituels. Les dons de parole de sagesse, les dons de la connaissance, le don des guérisons, les dons des guérisons, les dons qui produisent le miracle, les dons de sagesse, les dons de discernement. Seigneur, je t'en supplie. Merci Seigneur, nous te bénissons, Père, pour ce que tu as fait. Alors que nous clôturons ce temps, Père, accorde-nous la grâce de rentrer dans nos demeures respectives, dans ta présence. Merci Seigneur pour nos vies que tu as encore construites ce matin, ce soir, cette nuit, tout au long de cette nuit. Merci encore pour nos vies que tu as bâties. Merci encore Seigneur pour le chef-d'œuvre qui sortira de chacun d'entre nous. Merci encore pour la gloire qui sera manifestée, révélée. Merci pour le rayonnement, pour l'éclat de ta gloire. Merci pour ce que tu manifesteras, Père, parce que nous allons te voir. Nous allons voir le fruit de ce que tu as fait aujourd'hui, de cette sémence, Seigneur, d'aujourd'hui. Et bientôt, nous allons voir un fruit, les fruits sortir. Oh, 30, 60 et par 100. Nous multiplierons et nous remplirons la terre et nous assujettisserons et nous dominerons. Quelle est la volonté de Dieu dans nos vies ici à Massy Palaiso? Tu nous as positionnés pour rayonner. Nous te bénissons pour ce que tu as fait. Merci pour la disposition des cœurs. Merci Seigneur de nous raccompagner. Merci, nous te bénissons, toi qui fais toutes les choses à merveille. Alors nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage et maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi l'amour de nos vies, toi qui nous as conduits tout au long de cette nuit, de cette retraite spirituelle, toi qui nous as édifiés, toi qui nous as Seigneur, reçois la louange et la gloire. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces et des révérences. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Amen. Gloire à Dieu.